Ce que vraiment, vraiment, vraiment vous ne voulez pas, vous allez l'obtenir. Concept numéro 134, tiré de mon livre 200 concepts pour mieux réussir. Vous avez vu dans la vidéo précédente, si ce n'est pas fait, je vous invite à la regarder, la 133, que ce que vraiment, vraiment, vraiment vous voulez, vous l'obtenez. Et maintenant, sachez aussi que ce que vraiment, vraiment, vraiment vous ne voulez pas, vous allez aussi l'obtenir. Ça, c'est la triste nouvelle. Pourquoi ? Pourquoi on obtient des choses qu'on ne veut pas ? Plus vous ne voulez pas quelque chose, et plus il y a de chances pour que vous l'obteniez. Et ça, c'est la partie la plus difficile à faire, les amis. Dans tous mes enseignements, tout ce que je vous partage, dès que vous ne voulez pas quelque chose, et que vous êtes concentré dessus pour ne pas l'obtenir, vous allez l'obtenir. En fait, ce qui se passe, c'est que biologiquement, vous êtes en train d'être connecté à cette chose que vous ne voulez pas. En pensant, en disant, en affirmant « je ne veux pas ça », vous êtes énergétiquement branché dessus. Et donc, ça attire, ça vibre en vous, c'est dans votre aura, c'est dans votre champ d'énergie biologique. Et donc, c'est normal que vous l'obteniez. Si vous dites « Ah, je ne veux plus de ces problèmes d'argent. Je ne veux plus de factures qui arrivent dans tous les sens. Je ne veux plus de vent pendant que je filme une vidéo. » Ça ne va pas marcher. Il va y avoir davantage de vent et davantage de… Bref, vous avez compris. Si vous êtes dans un point de vue négatif en train de penser à ce que vous ne voulez pas, vous parlez de ça. Vous êtes en train de vibrer ça et vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. C'est un concept que j'ai déjà expliqué dans cette série de vidéos. Vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent et en plus avec des émotions. Si vous dites vraiment « je ne veux plus avoir mon compte bancaire dans le négatif », vous êtes en train de vibrer ça et vous l'attirez encore plus. Donc, ce que vous ne voulez pas, vous l'obtenez parce que c'est très fort. Donc, essayez d'adoucir les angles des choses que vous ne voulez pas. Du coup, voilà, maintenant, il y a du vent, peu importe vers où je me retourne. D'habitude, il y a toujours un sens. Voilà, vu que j'ai émis l'émission de ne pas vouloir de vent, ben, voilà, ça arrive dans tous les sens. Donc, du coup, je vais adoucir la chose. Je vais me dire, ok, le vent, c'est pas top. Mais... Je vais l'accepter tant que c'est là, mais ce que je veux, qu'est-ce que je veux? C'est que ce soit calme. Voilà, qu'on m'entende bien dans la vidéo. Je veux être au calme. Je veux que vous m'entendiez bien. C'est ça. Du coup, vous aussi, vous devez tourner la chose que vous ne voulez pas en positif et définir ce que vous voulez vraiment. Du coup, il faut focaliser sur ce que vous voulez. Donc, l'inverse. Dans l'exemple que je vous ai donné avec les factures et tout, quel est l'inverse? L'inverse, c'est que votre compte soit florissant, que vous ayez des milliers d'euros sur votre compte bancaire, que vous soyez financièrement libre. Ça, c'est ce que vous voulez. Donc, arrêtez de penser à ce que vous ne voulez pas. Focalisez sur ce que vous voulez. Vous voyez que le vent, il s'adoucit déjà. Bon, je vous invite à rejoindre Lumière d'Avenir, la voie de la réussite, en cliquant sur le lien, le premier lien pour approfondir tous ces concepts avec toutes les vidéos que je donne et lisez mon livre 200 concepts pour mieux réussir.